Bienvenue dans une émission spéciale pour la fête de la musique sur Radio Campus Montpellier. Ethno, techno, résonance ou dissonance, sur une idée originale de Luc Marquive de l'IRD. Aujourd'hui, nous allons nous stimuler le tympan, nous faire vibrer les neurones avec une discussion hybride, musicale et scientifique entre deux spécialistes de musique qui ne sont pas que des sons, nous le verrons. À ma gauche, nous avons durant la journée le coordinateur de l'antenne de Radio Campus Montpellier, Tom Martinez, qui se transforme la nuit ou lors de la fête de la musique en Tom Marzotta, DJ, producteur de musique électronique. Et en visio, nous avons Julien Mallet, ethnomusicologue à l'IRD et spécialiste des musiques de Madagascar. Nous allons donc parler de résonance et de dissonance entre musique électronique et musique traditionnelle. Alors avant de parler du menu, je vous précise que cette émission est réalisée en étroite collaboration entre Radio Campus Montpellier et l'IRD. En entrée, nous discuterons des similitudes entre musique électronique et traditionnelle avant de partir sur le plat de résistance. 40 minutes de musique traditionnelle présente dans les archives de l'IRD, mais mixée, mélangée, triturée par Tom. Enfin, en dessert, nous finirons l'émission en évoquant les enjeux éthiques de la réutilisation des musiques traditionnelles. Et nous donnerons des pistes de réflexion afin de faciliter les collaborations réciproques et justes entre les humains à l'origine de ces univers sonores. Voilà, ça c'est un petit peu le menu pour cet après-midi. Alors très rapidement peut-être, Julien, Tom, pour commencer, est-ce qu'on peut peut-être un peu définir ce qu'on entend hein, par musique électronique et musique traditionnelle? On peut peut-être commencer, Julien, l'avantage à la vision, on va dire, par les musiques traditionnelles, notamment. Qu'est-ce qu'on entend par ce terme-là? Bonjour, merci de me donner la parole. Je suis ravi de pouvoir rencontrer Tom et échanger sur ce sujet. Alors, musique traditionnelle, on pourrait le définir de mille façons. Hein, et après tout, est-ce que la techno n'est pas une tradition naissante? L'avenir nous le dira. Mais je dirais que surtout, ce qui caractérise les musiques dites traditionnelles, c'est leur transmission et leur mode de fonctionnement qui est lié à l'oralité. Contrairement aux musiques écrites qui résultent de toute l'histoire des musiques occidentales et qui sont régies par des règles, des codes qui sont écrits dans des manuels, transmis dans des écoles, etc. Or, dans les musiques de tradition orale, on a une transmission qui n'est pas canonisée. Et donc les codes qui sont très riches et très variés, c'est le travail des ethnomusicologues de décrypter ces codes, ils sont implicites, ils ne sont pas formulés, mais ils existent bel et bien. Et c'est une des facettes du travail de l'ethnomusicologue. Et ce qui est intéressant, mais je donnerai la parole à Tom et on le verra en action, c'est que les musiques électroniques, ou une partie d'entre elles, parce que dans musique électronique, il y a plein de choses différentes, mais notamment dans la techno, la house, etc., ou dans le DJing, on retrouve des points communs avec cette oralité. C'est-à-dire que ce n'est pas une musique écrite, le partage de cette musique, son fonctionnement ne passe pas par l'écriture, par les partitions, par des codes figés qui sont transmis, mais on est aussi dans une forme d'oralité moderne, post-moderne, je ne sais pas comment dire, mais je suis très bavard, donc peut-être que c'est intéressant aussi d'entendre le point de vue de Tom là-dessus. Alors Tom, justement, par rapport à ce que nous dit Julien, quand tu mixes, quand tu t'appropries justement un petit peu ces musiques, justement, il y a une espèce d'oralité, comme dit Julien. Une espèce d'oralité, je sais pas, mais un espèce d'hommage en tout cas. Moi, je vois vraiment ça comme donner une seconde vie à ces musiques et les interpréter différemment.
Après, je tiens à préciser que c'est vraiment pas des remixes au sens remix, quoi. C'est vraiment des nouvelles compositions avec des boucles qui ont été prises donc dans ces archives de l'IRD, etc. Mais pour revenir sur ta définition de la musique électronique, bah, comme le disait Julien, il y a plusieurs manières de Il y a beaucoup de dire. choses, il y a beaucoup de choses dans la Voilà, musique on peut électronique. peut-être parler de musique électronique dès qu'il y a eu les premiers synthétiseurs ou dès que la musique a commencé à être amplifiée. Donc là, on remonte dans les années, je dis peut-être des bêtises, mais 50 ou 60. Et après, il y a le côté musique électronique, comme disait encore Julien, avec la house et la techno, où là, on a plus ce côté, comment dire, clubbing ou rave, mais où il y a des espèces de codes qui sont vraiment différents de la musique populaire, qui est peut-être plus normée. Ou, enfin voilà, les différences, ça va être que les soirées ne s'arrêtent jamais, il y a une espèce de continuité, les morceaux sont mixés entre eux, on ne voit pas vraiment de différence entre les morceaux. Il y a aussi le côté où le DJ n'est pas du tout mis en avant. Moi, il y a des exceptions, hein, Oui, certes, mais à la base, en on tout en connaît. cas, au début de cette culture, c'était ça. Le DJ était vraiment limite un anonyme, quoi. Il n'était pas du tout sur une scène à 10 mètres de haut. Donc voilà, il y a vraiment cette différence entre musique électronique et musique électronique. Et c'est très intéressant ce que tu dis, parce que ça veut dire que dans la musique aussi, il n'y a pas que la musique en tant que telle, il y a tout un tas de codes sociaux. Alors je pense, Julien, notamment, effectivement, ce qu'on appelle donc les musiques traditionnelles, mais on le voit aussi avec la musique électronique, il y a des codes sociaux propres à chaque musique, à chaque type de musique qu'on peut. Oui, tout à fait. Chaque musique peut être, on peut faire l'analogie avec les langues, le langage. Chaque musique a sa grammaire, sa conjugaison, sa façon de fonctionner, et ces codes qui sont à la fois musicaux sur cette grammaire, etc. Mais aussi des codes sociaux, des codes. Ben voilà, aller à l'opéra, c'est pas la même chose qu'aller dans une battle de hip-hop, ni que d'assister à une cérémonie de possession au fin fond de Madagascar. Donc la musique. Se On va pas nourrit. s'habiller pareil. Voilà, tout à fait. Le code vestimentaire, code sociaux, enfin toute une série de codes qui sont mobilisés pour former une identité, un nous, et c'est ce qui fait que la musique touche aussi au plus fort des affects et réunit des gens. Mais dans ce qu'a dit Tom, il y a eu des choses très intéressantes qui me semblent importantes à souligner. D'abord cette notion de code, de ce qui définit, de ce qui fait que la musique donne une emprise à des identités collectives. On se retrouve autour de genres musicaux particuliers. Et puis, plus précisément sur les musiques électroniques, la techno, les raves, il l'a abordé. Il y a des points communs. Donc, pardon, ces codes qui sont donc différents d'une culture à l'autre. La musique n'est pas un fait universel au sens qu'il a un sens particulier dans chaque culture. Mais par contre, il y a des ponts, il y a des choses qui sont semblables et il y a des universaux dans la musique. Je ne sais pas si la nuance est importante. Et dans ces ponts, dans ce que j'appelle moi des concordances dans mon travail, des concordances musicales, il y a un des points que Tom soulevait, qui est c'est concevoir la musique, c'est ce qu'on retrouve dans les raves, dans la techno, et qu'on retrouve beaucoup dans les musiques traditionnelles, et y compris à Madagascar, c'est ce rapport au temps musical. Dans nos sociétés modernes, capitalistes, etc., la musique est de plus en plus conçue comme un produit. Un produit avec de consommation, avec un format radio, un format 2 minutes, etc., qui dicte beaucoup de choses, y compris esthétique. Et dans les raves, dans la musique techno, on s'affranchit de ce format avec une conception de la musique plutôt comme un flux, mais y compris dans la façon de la composer et de la jouer. La musique est un flux. Et ça, on le retrouve dans les musiques de trance, dans les musiques de possession, dans les musiques sur lesquelles je travaille à Madagascar, y compris les musiques modernes. Où le discours musical, le matériau musical, les musiciens vont s'en emparer, vont construire le jeu musical dans cette idée d'une continuité, d'un temps long, d'un flux, avec des climax, des moments plus lents, et le processus de créatif, il tourne autour de ça. Et on retrouve ça aussi dans le DJing ou dans la musique électronique, et il y aurait plein de choses à dire, mais il y a ce type de point commun très intéressant. Et d'ailleurs, c'est vrai que ce qu'on va vivre, c'est maintenant, hein, donc 40 minutes.
de mix avec des archives sonores de l'IRD. C'est pas le format classique en radio, hein. Le format classique en radio, on est plutôt de l'ordre de 3 minutes, 4 minutes. Donc là, ce que tu nous proposes, Tom, maintenant, hein, c'est véritablement que tu as écouté cette bibliothèque sonore de l'IRD, tu as sélectionné certains moments sonores et donc tu as composé véritablement ton propre mix et donc tu vas nous faire vivre ça. C'est ça. En fait, il y a un terme qui revient très souvent dans les musiques électroniques de la grande famille House et Techno, c'est la boucle. Et en fait, j'ai vraiment écouté ces archives pour essayer de trouver la boucle. Alors des fois, c'est des boucles très courtes, hein, de 3 secondes. Des fois, c'est des boucles un petit peu plus longues. Des fois, c'est vraiment des petits sons d'une demi-seconde. Mais pour trouver ces échantillons qui, mis en répétition, créent quelque chose de nouveau. Et puis après, on joue avec des filtres, on joue avec des machines, enfin... Voilà, c'est vraiment la manière dont j'ai abordé ça. Et on va entendre ça tout de suite sur Radio Campus Montpellier. Un petit conseil aux auditeurs, aux auditrices, avant de plonger dans ton univers sonore, Tom, peut-être, je sais pas. Écoutez pas sur votre téléphone, branchez la chaîne Hi-Fi ou mettez un petit caisson de basse. Quoi. Voilà, mettez-vous dans le canapé tranquille avec le casque et vous allez voir ce que vous allez voir ou plutôt entendre d'ailleurs. Allez, on écoute ça tout de suite. We'll be right back.
Alors là, je pense que vous êtes bien sur Radio Campus Montpellier avec une petite ambiance tropicale. On vous a fait voyager, rentrer dans des univers sonores divers et variés. Merci beaucoup, Tom. Avec plaisir. Hein, pour ce super morceau, cette production. Alors là, vous êtes de la chance, hein, parce que c'est la première fois qu'on l'entend sur la planète Terre, cette production-là. Donc c'est rien que pour vous, rien que pour les auditeurs, auditrices de Radio Campus Montpellier. Alors Julien, peut-être une première réaction. J'imagine que vous avez trouvé ça génial, cette réappropriation hein, de cet univers sonore, de ces archives musicales de l'IRD. Justement, sur l'aspect dont on parlait, hein, dont on finissait la discussion tout à l'heure, sur l'aspect de boucle dont Tom parlait, hein, ces motifs que l'on retrouve dans la musique électronique, dans les musiques traditionnelles, on les retrouve aussi. Tout à fait. Alors, enfin, pas dans toutes les musiques traditionnelles, mais il y a beaucoup de musiques de tradition orale qui utilisent ce procédé, justement, comme elles ne passent pas par la partition, comme dans la musique classique, pour se synchroniser dans le temps, une des possibilités qui est mise en œuvre, c'est celle de jouer sur des motifs répétés et sans cesse variés, et sur lesquels chacun vient se greffer. Et cette répétition des motifs est, comme on le disait précédemment, prise dans un flux temporel qui va agencer, comme un jeu de Lego ou de puzzle, les musiciens vont agencer ces motifs les uns avec les autres, revenir sur le premier, A plus B plus C, et faire toute une variation en puisant dans ce stock de motifs mélodico-rythmiques. Et ça, on le retrouve dans beaucoup de musique à Madagascar, et on le retrouve aussi dans la musique qu'on vient d'entendre, ce jeu sur les motifs. Donc c'est une des concordances possibles, un des ponts. Et alors, Julien, justement, qu'est-ce que vous en avez pensé, alors, du mix de Tom? Qu'est-ce que ça vous évoque? C'est difficile d'être... D'abord, merci et bravo, c'était une belle performance. Après, là, on n'est pas dans la concordance, parce que là, on est dans un langage déjà très structuré. Il y a une culture techno, il y a une culture électro, etc. Et Tom utilise les sons plus comme des timbres, des sonorités, des rythmes qui vont lui servir dans son acte créatif. Mais il n'a pas connaissance de comment les musiques dans lesquelles il pioche fonctionnent, elles. Donc il n'y a pas une concordance réelle de systèmes musicaux, de langage. Mais par contre, il y a une appropriation par Tom de sons, de timbres très divers dans lesquels il va piocher, quoi. Et donc de ce point de vue-là, c'était passionnant et très réussi, et encore merci. Peut-être que c'est Tom qui peut lui-même expliquer son... Justement, Tom, là, je pense que c'est une super transition que nous fait Julien, justement, sur un peu les secrets de fabrication. Comment tu fais concrètement, justement, pour te réapproprier un peu ces univers sonores et puis après faire ta composition à partir de ces univers? Je le disais avant le live, c'est beaucoup d'écoute d'abord. Vraiment, je pense que j'ai tout écouté plusieurs fois de A à Z et puis essayé de trouver le moment où on imagine quelque chose. Et il y a aussi des contraintes de rythme, oui. C'est-à-dire que mon live, il est à 128 battements par minute tout du long, donc il faut que je trouve des extraits qui peuvent à peu près s'ajuster sur ça. Après, on peut recaler tout ça, bien sûr, si c'est pas exactement le même BPM, ça se recale, mais un morceau qui est très rapide, par exemple, j'aurais pas pu l'utiliser, ça aurait pas fait joli, le son aurait été trop abîmé. Pareil pour un morceau trop lent. Donc il y a ces contraintes là à l'oreille, savoir qu'on est à peu près dans la rythmique qu'on peut utiliser, et puis après trouver le bon extrait qui peut rester en tête, essayer d'imaginer la boucle, et puis après la passer dans les machines. Donc là, il n'y a vraiment pas d'ordinateur, c'est un live. Voilà, alors c'est ça, c'est ce qu'il faut préciser, hein, c'est que c'est pas du tout lié, alors comme dans d'autres courants, hein, de la musique électronique, à de l'ordinateur, ou là, on a vraiment sur directement les platines direct. Là, la première étape, c'est de l'ordinateur, le sampling. D'accord. Vraiment découper les samples, le début, la fin, caler les micro-décalages, parce que c'est des morceaux acoustiques, donc l'homme n'est pas une machine, donc il y a toujours des mini décalages à recaler. Donc ça, tout ça se fait sur ordinateur, même s'il y a des machines qui le font, mais pas les miennes en tout cas. Et puis après, du coup, on passe tout ça sur machine, et puis c'est là qu'on met énormément de filtres, d'effets, et puis des rythmiques avec des boîtes à rythme, rajouter des synthétiseurs. C'est un petit peu ça les étapes principales. Et puis après, structurer le live avec des intros, avec des breaks, avec des peak time, avec...
Alors, chers amis, cher Tom, cher Julien, on va devoir se quitter dans quelques minutes, mais juste avant, je voulais revenir quand même sur un point plus éthique, on va dire, hein, sur les rapports, justement, en nord-sud, hein, entre musique traditionnelle, musique électronique, même si, effectivement, il y a tout un tas de modernité dans le sud et que c'est pas des musiques figées justement, mais il y a quand même des enjeux éthiques qui se posent, notamment pour les producteurs de manière générale pour le musicien, hein. Et je voulais poser cette question notamment à Julien sur les rapports. Est-ce que les rapports ils sont pas un peu déséquilibrés au niveau justement de la réutilisation des musiques traditionnelles? Et là je pense surtout aux grandes entreprises occidentales, hein, de l'industrie musicale qu'on connaît très bien. Est-ce que justement pour les Suds, il n'y a pas cette grande problématique de, alors je mettrai des guillemets, mais de pillage en fait, hein, de leur culture musicale. Oui, tout à fait. Ben, je me remercie de souligner ce point parce que c'est quelque chose de très important. Effectivement, moi, je suis le premier à penser que les musiques ne doivent pas être figées, qu'il ne faut pas les penser comme des essences immuables et qu'au contraire, il n'y a pas de culture sans culture, comme dirait un anthropologue, Jean-Louis Amsel, qui travaille sur ces questions-là. Et donc, les cultures sont dynamiques. Il ne faut pas être dans une vision traditionnaliste ou figée. Il ne faut pas opposer tradition et modernité. Mais en même temps, il y a un contexte, il y a une histoire. On parlait d'appropriation tout à l'heure, ça fait partie de ce dynamisme, les processus d'appropriation. Le jazz n'est pas né de lui-même, il s'est approprié des éléments divers, mais en même temps, appropriation prend un nouveau sens de nos jours. Vous avez pu constater ça, les mouvements qui critiquent l'appropriation culturelle notamment, et c'est pas forcément sans raison. En tout cas, il faut y faire attention, c'est-à-dire que il y a quand même une histoire qui est celle de la colonisation, de l'exploitation du sud par le nord. Et on a trop souvent eu affaire, enfin on a été confronté à des affaires, comme je ne sais pas si vous connaissez, il y avait eu la fameuse affaire Deep Forest. Alors là je vous renvoie à un article qu'avait fait l'ethnomusicologue Hugo Zemp, vous pouvez chercher, vous trouverez, mais ça pose la question des relations nord-sud, qui sont des relations asymétriques, et bien souvent la musique de l'autre, du sud, c'est un moyen d'exploiter un exotisme qui fait vendre et qui marche. Et il y a eu souvent des producteurs ou des musiciens qui ont samplé comme ça des sons, ces sons se sont retrouvés dans des publicités, dans un business mondial qui a fait beaucoup d'argent. Et pourtant, les populations du Sud, elles, ne touchent rien. Ça pose vraiment. En tout cas, il faut soulever, sans être dans des positions rigides, il faut soulever la question des inégalités de propriété intellectuelle et culturelle, parce qu'elles sont régies par le Nord. Et souvent, ces musiciens du Sud sont désarmés, même pas au courant que. Et c'est toujours dans le même sens, quoi. Donc là, ça mérite vraiment une réflexion, tout à fait. Et notamment, quand on est chercheur à l'IRD, Institut de Recherche pour le Développement, et qu'on travaille dans ces pays, on sait bien que c'est une question très importante, quoi. Et alors justement, peut-être pour finir, hein, comment on pourrait encourager ces collaborations réciproques? Qu'est-ce qui permettrait de les faciliter? Donc potentiellement, par exemple justement, Tom, avec des musiciens de Madagascar, de travailler ensemble, d'établir ces collaborations et qu'il y ait vraiment une collaboration qui soit avec des relations justes et réciproques. Est-ce qu'il y a des pistes de réflexion, je pense notamment de recherche, hein, sur ces thématiques-là? Moi, j'essaye d'y réfléchir un petit peu. Après, c'est compliqué parce que chaque pays a ses propres lois. Il y a des lois internationales, il y a des lois nationales. Et donc, là, moi, je suis pas juriste, mais sur le terrain je pense qu'il y a une réflexion qui est double et qui est de ce fait-là compliquée. À la fois, comme dans le mouvement techno, les musiques électroniques, et comme dans des musiques traditionnelles, il y a cette notion de bien commun qui vient à l'encontre de la notion de propriété. Tel que le droit français ou anglo-saxon le conçoit, la propriété de l'œuvre, etc. Ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y a ce déséquilibre nord-sud auquel il faut penser. Alors oui, vous l'avez dit, je pense qu'il faut réfléchir à des projets qui soient le plus équitables, collaboratifs, éviter ce phénomène de chasseurs de sons, de gens qui vont juste prendre des sons et les exploiter commercialement. Là, on n'était pas du tout dans un acte commercial, on était dans une performance, donc c'est pas du tout ça. Mais autour du business, il faut éviter ça, il faut réfléchir à des moyens de restituer aux gens du Sud, enfin à ces musiciens, et
et d'entrer en dialogue avec eux. Pour les musiciens du Nord, il faut qu'ils entrent dans une réflexion, une démarche de d'où vient cette musique, qu'est-ce qu'elle est, qui la joue. Ces gens-là sont aussi vivants souvent. Enfin, c'est ça que je pense. Penser sur le long terme et pas sur ce court terme dans lequel on est poussé systématiquement, qui est celui le temps du marché, le temps de la consommation, mais être dans des relations plus entre artistes, entre musiciens, qui soient plus équitables, pérennes. Après, il n'y a pas de solution toute faite, un miracle, et c'est très compliqué, mais voilà. Très bien. Tom, une réaction peut-être en tant que producteur, puisque tu es aussi producteur de musique électronique. Non, mais ouais, je suis tout à fait d'accord. Après, on est à l'ère du full numérique et d'Internet, donc ça ne peut que encourager les collaborations et les rencontres, que ce soit par les réseaux sociaux ou par les sites qui permettent de rendre accessibles nos musiques. Donc j'espère que ça va continuer d'aller dans ce sens. Et en effet, je pense qu'il faut vraiment faire la distinction entre une pratique commerciale d'une musique et puis, là c'était une performance, mais bah oui, ça oui, peut oui. être dans un cadre privé, ça peut être... Oui, tout à fait. C'était une performance avec, justement, il faut bien le préciser, cette très riche bibliothèque sonore de l'IRD. Et donc, c'est là où, justement, cette performance, elle s'inscrit dans une démarche artistique et non pas commerciale de vendre, comme certaines grandes entreprises commerciales qu'on ne citera pas, hein, qui, effectivement, sont plus dans du produit de consommation que véritablement dans de la production artistique. Mais l'IRD, du coup, que je remercie chaleureusement parce que c'est vraiment un projet que j'ai trouvé magnifique dès le début. Et puis au final, le rendu, quoi, c'est un petit voyage de quelques dizaines de minutes. Et puis on va en Syrie, on va en Inde, on va en Afrique centrale. On entend le oud, alors on se dit, mais où on est là d'un coup là. Donc c'est vrai qu'il y a véritablement un voyage sonore là qu'on a fait en 40 minutes. Hein. Ouais. Sauf que on peut pas trop voyager en ce moment, donc c'est très bien de le faire sur Radio Campus Montpellier. C'est ça. Moi, le faisant, du coup, ça m'a pris bien plus que 40 minutes. Et c'était un vrai voyage aussi de tout réécouter, de tout découper. Et du coup, vraiment un grand merci à l'IRD pour m'avoir permis de faire ce projet. Et puis merci beaucoup à vous deux, hein, à Julien Mallet et à Tom pour cette belle discussion, cette très riche discussion. Et les moyens de la visio nous ont permis de réaliser cette émission. Alors c'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir Julien en studio aussi directement pour recueillir l'ambiance, hein, l'ambiance musicale qu'il y avait dans le studio de Radio Campus Montpellier. C'est la fin. Hein, donc merci à vous deux. Je vais juste rappeler que si vous voulez en savoir plus sur les travaux de recherche de Julien Mallet, allez sur le site tout simplement de l'IRD. Vous le retrouverez, ses principales publications et ses livres. Tom, on retrouve sur Radio Campus Montpellier, bien sûr, hein, coordinateur de l'antenne, mais aussi sur la page Facebook Zota, hein, où on retrouve tes productions, c'est ça, musicales, hein, principalement. C'est ça. Et potentiellement des futures dates de concert. Exactement, mais pour l'instant, on attend encore. Stand-by. Sinon, je remercie aussi très chaleureusement l'IRD, notamment et plus particulièrement France Thomas, Claire Lissalde, et bien sûr, vu que c'était sur une idée originale de Luc Marquive. Bien entendu, je remercie toute cette équipe-là qui ont tout simplement mis à disposition les archives sonores de l'IRD et conçu que c'était tout à fait possible et réalisable de laisser ces archives sonores à un DJ pour effectivement produire une super performance musicale en cet après-midi de la fête de la musique. Et d'ailleurs, ça ne fait que commencer, hein, la fête de la musique. Hein, donc, j'espère que vous allez en profiter. Laissez voguer vos oreilles à bâbord comme à tribord. C'est le moment d'écouter ou de réécouter les résonances de la belle communication sonore du 21 juin. Et pourquoi pas, allons-y, hein, soyons fous. Tissons des ponts entre des cultures et des mondes assez différents, des univers sonores où on voyage comme on a fait cet après-midi. On vous souhaite en tout cas une très très belle fête de la musique sur les ondes de Radio Campus Montpellier. Merci. Merci Guillaume. Oui. Merci tout le monde.